Salut à tous, donc je suis ici à Montréal au Tristar en compagnie d'Eman Zahabi donc pour cette nouvelle interview sur Globe MMA. Merci beaucoup Eman pour cette interview. Ah, de rien, merci pour m'avoir. Donc Eman, tu es un combattant pro de MMA, je pense que les lecteurs vont reconnaître ton nom de famille, Zahabi, puisqu'en fait tu es le jeune frère de Firas Zahabi, donc le head coach ici du Tristar. Ouais, mon frère, il a un gros nom maintenant à cause de Georges St-Pierre, Rory McDonald et plusieurs combattants qu'on a de Tristar qui sont arrivés à UFC, Bellator et d'autres organisations. Puis oui, je suis son jeune frère, mais je fais mon carrière à moi-même. Et lui a une carrière de coach, moi j'essaie de faire la carrière de combattant. Mais j'imagine que forcément vous avez une relation qui est proche puisque vous partagez la même passion, les arts martiaux, depuis tout petit. Vous avez combien d'années d'écart, toi et ton frère? Entre moi et Firas, on a 7 ans de différence. Il est plus vieux de moi de 7 ans. Et depuis que j'avais 15 ans, je vois Firas au gym presque tous les jours. Peut-être 6 ou 5 jours par semaine, on est ensemble. On est très proches comme frères. On prend beaucoup de temps ensemble pour s'améliorer au jiu-jitsu. Et aussi, de temps de famille, on prend ça ensemble. Je suis très proche à ses fils et sa fille aussi. Donc, on est des très proches frères. Et donc, tu as commencé par quel art martial? Tu as commencé un petit peu en faisant tout ou tu t'es spécialisé vraiment dans un domaine au début? Au début de ma carrière, quand j'ai commencé, j'étais très fasciné par le Muay Thai. Puis Firas était très bon en Muay Thai. Il y avait un coach, Peter Sisamfu, qui est aussi le coach ici maintenant de Muay Thai. J'aimais ça, le genou, les coups de coude, les kicks. J'ai trouvé ça tellement spectaculaire à voir des combats de Muay Thai. Et après comme 1 ou 2 ans de faire justement Muay Thai, j'ai commencé à faire Jiu-Jitsu doucement, faire la base du Jiu-Jitsu. Et en le faisant, j'ai commencé à l'aimer de plus en plus. D'accord. Là, aujourd'hui, il me semble que tu es ceinture marron, c'est ça, du jiu-jitsu? Brun, ceinture brun, c'est ça? Oui, oui, voilà. Brun, marron. Oui. Moi, je parle québécois, pas français de France. oui, je suis ceinture brun en dessous de Firas. J'ai eu mon ceinture bleue de Bruno Fernandez, un instructeur Gracie Barra, avant que Firas pouvait donner des ceintures. Et après ça, ensuite, j'ai eu mon ceinture mauve en dessous de John Danaher, c'est un gars de Enzo Gracie. Et quand Firas... Il a eu son ceinture noire, puis il était bien établi. J'ai amélioré mon jiu-jitsu encore plus. Il m'a donné mon ceinture brun. Ça fait, je pense, 1 an et demi, quelque chose comme ça. Ouais. D'accord. Donc là, maintenant, aujourd'hui, tu as 4 victoires donc, dans ta carrière professionnelle en MMA. Tu es toujours invaincu puisque tu as 0 défaite. Et là, donc, tu as un prochain combat là, dans quelques semaines. Donc, c'est le 17 octobre à Montréal, au centre Pierre Charbonneau. Tu vas affronter Jérémy Dicara. Donc, comment ça se passe, là, ta préparation actuellement là, pour ce combat-là? Mon préparation, ça se passe très bien. Je fais beaucoup de jiu-jitsu et beaucoup de striking pour ce combat-là. Avant ce combat-là, pour mon dernier combat, j'ai vraiment fait une grosse phase de lutte. Donc, pour ce combat-là, j'ai mis en priorité le striking puis le jiu-jitsu juste parce que j'ai un peu négligé pour le dernier combat. D'accord. Donc, j'en ai repris plus un peu sur le sol et le striking et un peu moins sur la lutte. Mais moi, je ne connais pas vraiment beaucoup de choses sur Jérémy. Je sais qu'il n'a jamais perdu et il finit tous ses combats dans le premier round. Donc, je suis prêt pour qu'il vienne vers moi dur, il va me foncer dessus. Donc, je suis préparé pour ça et je suis préparé pour aller 15 minutes avec lui parce qu'il va être un gars très fort, très, très bon physique aussi. Là, j'ai pu voir d'ailleurs sur ton record que tu as gagné tous tes combats avant la limite. Oui, en professionnel, j'ai gagné tous mes combats en premier round aussi. Mais j'étais toujours préparé pour aller 15 minutes. J'ai jamais essayé de faire gagner par exprès dans le premier. C'était toujours prêt pour aller 3 rounds. Donc pour moi, pour ce combat-là, si l'autre ne pense pas d'aller 3 rounds, il va y avoir un peu de difficulté avec moi. J'ai oublié de rappeler que tu combats en bantamweight, là, donc en MMA. Tu as toujours combattu dans cette catégorie? Oui, en professionnel, toujours à bantamweight, mais en amateur, je faisais 145. Parce que c'est le pesé, c'est la même journée. Donc c'est pas une bonne idée de couper trop pour les amateurs. Mais en professionnel, tu as plus que 24 heures, donc c'est plus facile de couper de poids. Et c'est moins dangereux parce que les gars sont moins grands à 135 à 145. Ouais. J'imagine que c'est un atout de pouvoir s'entraîner ici auprès d'autres grands champions de MMA. J'imagine que tu dois avoir beaucoup d'inspiration, non? Oui, moi j'étais très chanceux. Pas juste parce que j'étais le frère de Firas, mais parce que depuis que j'avais 15 ans, j'étais très « dedicated ». Dévoué aux arts martiaux mixtes. Donc, j'ai appris beaucoup de choses vraiment vite. Donc, il y avait beaucoup de professionnels qui me voulaient, moi, dans leur camp d'entraînement. Et quand j'étais dans leur camp d'entraînement, je faisais tout. Si on avait besoin de quelque chose à manger, moi, j'allais le chercher. Si on avait besoin de quelqu'un pour faire la lutte, je faisais la lutte avec eux. Si on avait besoin de n'importe quoi, quelqu'un dans le sauna, j'étais là. J'ai
pris tout ce que je pouvais faire pour eux, à leur aider. Je l'ai fait. Et eux, comme cadeau, ils m'ont donné leur expérience, ils m'ont donné des techniques, ils m'ont pris leur temps avec moi à m'éduquer dans leur martial mix. Donc, j'ai pris beaucoup de temps avec Miguel Torres, Yves Jabouin, Thierry Kenville, David Loiseau et beaucoup d'autres athlètes qui ont sorti de TriStar. Puis eux, ils m'ont donné beaucoup plus que moi j'ai eu la chance de leur donner quand j'étais jeune. Et maintenant, pour la prochaine génération, moi, j'essaie de donner mon temps à eux. D'accord. Ouais, c'est un bel échange. Est-ce que c'est beaucoup de pression d'avoir Firas comme grand frère, là, qui j'imagine, doit surveiller de très près ta carrière? Oui, il surveille ça très proche et il m'aide beaucoup. Tous les jours, je le vois, il m'aide tous les jours. Et je ne prends pas la pression comme le monde pense. Comme, quand moi, je vais pour un combat, si je perds ou je gagne, je n'ai pas la pression que Firas il veut me juger. Il veut que je fasse mon mieux et moi aussi, c'est ça que je veux de moi-même. Je veux rentrer là, si j'ai une belle performance, si je gagne, si je perds, ça ne change rien. Parce que ce n'est pas mon dernier combat. Non, voilà. Et non, j'en m'en reste encore 20 combats. Donc, le résultat, ça ne change rien, c'est mon performance. Si je fais ce que j'ai appris, on est content. Ton objectif, c'est de rentrer à l'UFC? Oui, je vais être champion du monde un jour, j'aimerais ça bien. Ben oui, j'imagine. Et encore combien de combats, à ton avis, il te faudrait pour pouvoir espérer faire déjà un premier combat à l'UFC? Ça dépend de eux. Quand ils m'appellent, je suis prêt. Je suis prêt à signer le contrat s'ils veulent. Peut-être après celle-là, peut-être une autre après celle-là. Si je gagne celle-là, tout passe bien. J'aimerais ça aller au UFC tout de suite. Sinon, peut-être le Titan FC, ils voudraient que je fasse un combat avec eux. J'aimerais ça aussi, mais je veux que ça commence à avancer. Et la situation là, du MMA ici au Québec, qu'est-ce que c'est en ce moment? En ce moment, il n'y a pas grand-chose au Québec comme avant. Comme il y a 7-8 ans, il y avait plusieurs promotions et chaque 2-3 mois, il y avait un gala. Dans ces dernières années, il y en avait un peu moins, peut-être un gala par année, peut-être deux si on est chanceux. Mais Hybrid Pro Series, eux, ils commencent à faire des galas plus fréquemment. Et oui, c'est déjà la quatrième édition. Oui, ouais. Et grâce à eux, il y a des gars comme moi qui ont une chance d'aller dans l'UFC, aller dans Titan et grandir comme combatteur. Et j'ai un gros merci pour eux pour faire ça. Oui, bien sûr. Bon, on va te souhaiter bonne chance pour ton combat puis pour la suite de ta carrière. Et puis, merci pour cette interview, Eman. Merci à vous.